Hello, good morning Internet. Bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également une professionnelle certifiée en relations amoureuses et en psychologie. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. Aussi, j'analyse en profondeur les différents couples formés par nos célébrités, nos stars, afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces pour que vous aussi vous puissiez être pour des couples épanouis, équilibrés et stables. Mon mail est affiché, n'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse aborder sur ma chaîne un sujet en particulier, soit si tout simplement vous avez besoin d'un accompagnement dans le cadre amoureux. Enfin, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter et également à partager cette vidéo. Petite parenthèse avant de débuter la vidéo du jour, j'ai fait ma toute première masterclass, si vous n'êtes pas au courant, elle est dédiée à la série mexicaine Ruby. Dans cette masterclass, je parle évidemment de séduction, je parle de manipulation, je parle de psychologie et de techniques à mettre en place lorsqu'on souhaite level up, lorsqu'on souhaite réellement faire son ascension sociale en passant de manière stratégique par l'alliance avec notre conjoint, un conjoint qui fait partie d'une classe sociale supérieure. N'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet communauté pour avoir plus d'informations et également à vous rapprocher de moi pour avoir plus d'informations sur ces sujets. Le sujet du jour. Aujourd'hui, on va parler de Corey, la fille de Snoop Dogg, aka Snoop Doggy Dogg, Foshizo, Manizo. Tout ça, pour celles et ceux qui ont la référence et qui écoutent évidemment du rap US. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Corey aujourd'hui? Parce qu'elle va se marier. Ce qui, apparemment, au premier abord, semble être une bonne chose, en réalité, n'en est pas une parce que son mec, Wayne, est quelqu'un de vraiment très étrange. Nous allons commencer la vidéo par rapidement présenter Snoop Dogg. Ensuite, on va expliquer le contexte familial dans lequel Corey, sa fille, a grandi. Snoop Dogg n'est plus à présenter. De son vrai nom, Calvin Brothers est un rappeur, chanteur, producteur et même acteur américain. Il a fait fortune par rapport à sa carrière et on peut dire que sur le plan financier, c'est quelqu'un qui est bien installé puisqu'à l'heure actuelle, il pèse plus de 180 millions de dollars. Snoop Dogg a épousé son amour de jeunesse, qui est Chanty Taylor, sa femme actuelle, avec qui il a eu trois enfants, dont Corey. Alors Snoop est très loin d'être le mari ou même le gendre idéal, parce qu'il a de très nombreuses fois trompé sa femme, et de manière publique, on ne compte plus les histoires de side chick, les histoires d'infidélité, absolument pas. Et malgré cela, il a aussi en fait une image assez particulière dans la presse. Il ne véhicule pas les bonnes valeurs tout simplement par rapport à sa carrière en tant que rappeur. Il a mis en scène vraiment des femmes dont il a dégradé l'image et les paroles en fait explicites de son rap sont assez crues, assez violentes, assez étonnantes. Donc par rapport à l'image que je vous donne là, on a quelqu'un qui finalement ne respecte pas la femme en tant que telle et qui ne véhicule pas les bonnes valeurs. Ensuite, je vais définir une notion qui est capitale pour comprendre la suite de l'histoire. C'est tout simplement le colorisme. Alors, pour les abonnés et les habitués de ma chaîne, vous savez sans doute ce que c'est, mais pour les nouvelles et les nouveaux, je vais vous définir ce que c'est. Donc, le colorisme, c'est un traitement différentiel, stéréotypé, souvent inégalitaire des individus selon leur couleur de peau, les plus clairs étant considérés comme plus jolis, au détriment, bien évidemment, des carnations et des teints foncés. Ou encore, selon la texture et la couleur capillaire, la physionomie et l'apparence du visage. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En fait, cela signifie tout simplement que dans certaines communautés, notamment les communautés afro-américaines, africaines et aussi asiatiques, notamment en Inde et aussi en Chine, eh bien, en fait, il y a une classification comme ça des individus par rapport à leur couleur de peau. Les plus clairs seront considérés comme les plus beaux et les plus foncés seront considérés comme les plus moches. Évidemment, cela, à mon sens, trouve son origine par rapport à l'esclavage, tout simplement, qui a existé quelques années, enfin, plusieurs siècles maintenant avant et qui vient aussi du coup du comportement que le colon avait par rapport aux personnes qui n'avaient pas la même couleur de peau.
Je ne vais pas ici rentrer dans l'histoire, ce serait beaucoup trop long, mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo dédiée à cette thématique. Le colorisme est très présent aux États-Unis et particulièrement dans la communauté noire. Il est très violent par rapport aux femmes qu'on appelle dark skin, qui ont vraiment une couleur de peau assez mate, comme c'est le cas de la fille de Snoop Dogg. Alors pourquoi est-ce que je parle du colorisme dans cette vidéo? Tout simplement parce que la fille de Snoop Dogg a essayé de mettre un terme à sa vie en 2021, donc l'année dernière. Et elle s'en est bien évidemment, heureusement d'ailleurs, sortie de ce calvaire-là. Mais en fait, du coup, elle a donné une explication par rapport à cette tentative et elle explique, je cite ces mots, je pense que ça prend racine au cours de mon enfance. J'ai grandi avec deux frères à la peau claire et j'étais la seule avec la peau foncée. J'étais en surpoids, j'ai eu le lupus à l'âge de 6 ans, donc j'étais en surpoids aussi à cause des stéroïdes. Cela a automatiquement eu un impact sur ma santé. J'ai toujours été triste et déprimée à cause de ma santé. Tu souffres et tu ne sais pas ce qui se passe. Tu regardes tes frères et les autres membres de ta famille et tu te dis pourquoi, pourquoi moi? Donc là, je viens de vous citer en fait les propos de Corey et tout s'explique en fait. Tout est vraiment limpide, vraiment comme de l'eau de roche. Tout est clair. Donc on a ici une situation qui est catastrophique, comment dirais-je, créée par plusieurs éléments aussi corrosifs les uns que les autres. On a d'abord le colorisme. Et donc, par rapport à la société, Corey, elle a dû en fait intérioriser le fait qu'elle n'était pas un canon de beauté, qu'elle n'était pas en fait élevée par rapport à l'échelle sociale, les critères de beauté que la société lui imposait en fait. On lui a dit que parce que tu es foncé de peau, tu es moins belle que les autres. Et elle, elle a accepté, elle a intériorisé ça. En plus de ça, on va rajouter en fait l'obésité, qui est considérée par l'OMS comme une maladie. En plus de ça, on rajoute encore le lupus. Et donc, évidemment, j'ai checké les origines de cette maladie. Au-delà des facteurs génétiques, il y a bien évidemment des facteurs liés à l'environnement, comme le stress et l'anxiété. Donc, il y a tout ça, en fait, qui est mélangé. Donc, forcément, Corey est une personne qui est perdue dans le sens où elle n'a pas confiance en elle. Elle manque énormément d'estime par rapport à sa propre personne et elle ne se considère pas aussi bien que les autres. Elle a évidemment une faible estime d'elle-même et aussi des standards, du coup, qui découlent de cela, qui seront très bas par rapport à ses futurs partenaires amoureux. Donc, en plus de tous ces facteurs-là, on rajoute évidemment l'image que sa mère lui renvoie, c'est-à-dire qu'elle voit sa mère en fait accepter tout et n'importe quoi de la part de son père. Parce que Snoop Dogg, il est toujours mêlé à des activités d'infidélité, des affaires d'infidélité, pardon, des affaires de side chick, et elle a toujours vu en fait sa mère finalement reprendre Snoop par la suite, accepter en fait finalement ce manque de respect. Donc forcément, en tant que femme, parce que c'est aussi la seule fille de Snoop Dogg, elle voit ce que sa mère fait et je pense qu'elle a aussi dû intérioriser et accepter en fait que c'est normal d'avoir des standards qui soient bas. C'est normal en fait d'avoir un conjoint qui te trompe. C'est normal d'avoir un conjoint qui te fait un enfant dans le dos, etc. Donc on a tous les éléments que j'ai cités auparavant. On rajoute en fait finalement une image maternelle qui selon moi n'est pas efficace, n'est pas un rôle modèle. Donc ça fait un cocktail qui est vraiment très corrosif. Et selon moi, c'est vraiment les raisons qui ont poussé Corey effectivement à essayer de quitter ce monde, à essayer évidemment de mettre un terme à son existence. Donc déjà, on a une femme qui a une santé mentale très fragile, qui manque de confiance en elle, manque d'estime d'elle, forcément, quel est, selon vous, le genre de personne qu'elle va attirer? Parce que je vous dis toujours sur cette chaîne, vous ne pouvez pas attirer une personne qui est à l'opposé de vous. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez attirer une bonne personne, vous devez d'abord travailler sur vous-même. Et travailler sur vous-même signifie travailler sur vos blessures, travailler sur vos traumas, travailler sur le schéma familial toxique dans lequel vous avez grandi. Vous devez vous regarder droit dans les yeux, dans le miroir, et vous analyser en fait. Vous tirez les erreurs du passé et vous avancez. Tant que vous n'aurez pas fait cette introspection par rapport à vous-même, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous ne pourrez pas, entre guillemets, être bien, même si en apparence, vous aurez peut-être l'air de l'être, mais en réalité, s'il n'y a pas un travail profond sur soi-même qui est réalisé, vous ne pourrez pas avancer comme ça. Et tant que vous ne soignez pas, donc du coup, vos blessures, vous allez attirer des personnes qui seront très toxiques et très dangereuses pour vous. Et vous allez aussi, surtout dans le cas où vous êtes une femme qui est financièrement stable, financièrement établie, vous allez tout simplement attirer des escrocs.
Corrie, en plus de tout ça, elle n'a que 23 ans. Et 23 ans, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour se marier, pour décider en fait d'unir à jamais sa vie à un autre individu. Parce qu'à 23 ans, on n'a pas fait, selon moi, le tour de sa propre personne. On n'a pas pris le temps de se connaître en fait, de connaître, de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on pourrait tolérer ou non. Et donc, aller comme ça se jeter dans l'aventure extraordinaire qu'est le mariage, finalement, c'est trop risqué. 23 ans, on n'est pas assez mature, on n'a pas les reins solides pour assumer ce genre de choses. Et dans tout ça, le petit ami de Corey, qui s'appelle Wayne, a lui aussi 23 ou 24. Wayne, c'est l'homme que vous voyez à l'écran. Comment vous dire, c'est pas un homme, selon moi, qui dégage en fait une onde positive. On sent déjà que les intentions derrière lui ne sont pas bonnes. Mais évidemment, on va décortiquer tout ça petit à petit. Wayne, évidemment, n'a pas de job, n'a pas de travail, n'a pas fait d'études et n'est pas issu d'un milieu social aisé. La fortune de sa famille, si elle en a une, ben en fait, n'est même pas similaire ou semblable à celle de la famille Brothers, qui est la famille de Snoop Dogg. Première red flag. Donc, avant même de commencer à entrer vraiment de manière deep dans les analyses, on voit déjà qu'il y a clairement une situation d'hypogamie. Ensuite, la fille de Snoop Dogg est célèbre, et notamment sur les réseaux, elle a plusieurs abonnés, etc. Wayne n'est pas quelqu'un qui est connu. Donc, on voit que s'il y a quelqu'un qui va retirer évidemment, on va dire, un plus de cette relation, c'est Wayne. Il va gagner évidemment en notoriété, en célébrité, en capital économique, parce qu'il se met avec la fille de Snoop Dogg. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle de lui, sinon personne ne sait qui c'est. Deuxième red flag. Ensuite, Wayne est une personne qui est très bavarde sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Et il a écrit énormément de tweets parce que oui, Internet est très dark. Tout ce que vous allez écrire va rester et sera utilisé contre vous. Petite parenthèse, si vous avez écrit des choses sombres dans le passé, allez les effacer en fait avant qu'on les retrouve. Parce que oui, en fait, vous devez avoir une image clean sur les réseaux sociaux, surtout si vous voulez être mise dans la lumière. Ou si vous voulez accéder à différents types de milieux, il y aura des gens bien ou mal intentionnés qui vont aller fouiller dans votre passé. Donc tâchez d'avoir un passé qui soit clean en fait tout simplement. Bref, revenons-en au sujet. Donc Wayne est une personne déjà qui insulte les gens. Donc en 2015, il a écrit un tweet sur Blue Ivy, la fille de Beyoncé, et il disait à quel point elle était moche et elle était stupide. Ensuite, en 2014, il a également écrit un tweet concernant les femmes dark skin. En gros, en fait, il dit clairement qu'il n'aime pas les femmes dark skin, qu'il préfère les femmes métissées ou light skin. Donc déjà, on a là un très grand red flag. Et il y a des choses qui ne montent pas. On peut dire oui, c'était en 2014, aujourd'hui on est en 2022, bientôt 2023, il a grandi, il a changé. En fait, non, en fait. Il y a des choses que l'on dit en fait avant la célébrité. Et en général, ces choses-là, parce qu'on n'a rien à perdre à ce moment-là, ce sont vraiment des choses que l'on pense. Ce sont des choses. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Pour avoir l'audace de tenir ce genre de propos en public, c'est qu'on doit clairement et profondément penser cela. Et je crois qu'il n'a pas changé, en fait, malgré le temps qui sépare ce tweet d'aujourd'hui. Donc, on a ici un homme qui est très clairement coloriste, qui n'aime pas les femmes dark skin et qui préfère les light skin. En soi, ce sont évidemment ses propos et ce sont ses préférences, donc ça ne le concerne que lui. Mais aujourd'hui, on en parle parce qu'il a demandé en mariage Corey, qui est la fille de Snoop Dogg et qui, rappelez-vous, est dark skin et elle-même dans le passé a souffert de colorisme. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Ça confirme en fait les doutes que j'avais et également que la communauté aux États-Unis notamment avait par rapport à cet homme. Personne ne lui fait confiance. Cet homme-là est clairement là par intérêt. Corey n'est pas la femme de, comment dirais-je, n'est pas sa préférence en fait. Corey n'est pas la femme de ses rêves, la femme de sa vie. Il va tout simplement se servir d'elle. C'est pour ça, selon moi, qu'il a précipité les choses, notamment par rapport au mariage, parce qu'en épousant Corey, qu'est-ce qu'il a? Il a tout simplement accès au patrimoine de Snoop Dogg. Il a accès à son argent, il a accès à sa célébrité, il a accès à sa lumière. Et aussi, en plus de ça, Corey est une personne qui est malade. Avec le surpoids, l'obésité, en plus de lupus, c'est quelqu'un qui finalement a une espérance de vie qui est assez courte. Donc,
Faites les calculs et dites-moi si réellement vous pensez que c'est un homme qui est sincère dans les intentions qui sont les siennes. Ma réponse est évidemment non. Cet homme est un véritable escroc. Alors, je ne connais pas Corey à titre personnel, je ne suis pas non plus un membre de la famille, je ne suis pas non plus proche d'elle, mais si j'avais été sa mère, j'aurais exigé qu'elle puisse avoir un prenup, c'est-à-dire un contrat de mariage, car je n'ai aucune confiance en cet homme, et aussi, en plus de ce contrat, je mettrais une clause par rapport à l'infidélité. Comme ça, dès le moment où il commence un petit peu à aller à gauche, à droite, mon gars, je vais te traîner devant les tribunaux. C'est clair, c'est simple. Ensuite, il y a un élément que je souhaite évidemment mettre en valeur, c'est la manière dont Corey traite Wayne, c'est-à-dire son boyfriend, son copain. Et il y a une chose vraiment qui m'a sauté aux yeux. Corey poste très souvent en fait son copain sur les réseaux, sur son Insta, et elle a créé un post par rapport à lui. Le post est affiché à l'écran. En gros, elle dit "You are my trophy in human form." Ça veut dire quoi ça? En fait, elle le met pardon, sur un piédestal et elle le considère comme le trophée. Elle le considère en fait comme l'aboutissement de sa vie, comme la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et ça, c'est un mindset qui est très dangereux. Quand vous, en tant que femme, vous commencez à penser cela, en fait, vous inversez complètement les rôles et aussi les pouvoirs au sein du couple. Le schéma normal, le schéma classique, c'est un homme qui doit courir derrière une femme. Un homme doit faire la cour à une femme. Mais dès le moment où vous inversez en fait ces normes, ces valeurs, vous êtes, alors littéralement, vous avez perdu le jeu de la séduction. Mais ensuite de ça, si vous vous projetez en fait dans une relation sur le long terme, vous êtes très mal barré en fait. En plus de ça, Corey écrit "You deserve the world and I promise to give you that." Tu mérites le monde et je promets de te le donner. Mais on est où là? Non mais sérieusement, ça ce sont les promesses qu'un homme qui veut épouser une femme fait en fait. L'homme est censé te dire ça. L'homme est censé te dire "Tu es ma femme et je vais me battre tous les matins, tous les jours en fait pour essayer de faire de toi en fait la femme la plus heureuse, la femme voilà, je te donnerai le monde en fait." Mais là, on a complètement inversé les rôles. Donc en fait, c'est elle qui est en train en fait d'entrer dans ces énergies très masculines et qui est en train de le séduire, qui fera tout pour lui. Donc encore une fois, ça fait écho à un manque de confiance en soi, à une faible estime de sa propre personne. Et elle pense en fait que cet homme est trop bien pour elle. Elle pense qu'elle ne le mérite pas, clairement, et donc elle est prête à faire deux fois plus d'efforts qu'une fille normale, une fille ordinaire, pour essayer de garder cet homme dans sa vie. Alors que cet homme dans sa vie, bah, il n'apporte rien en fait. Du moins, rien sur le plan matériel, pardon. Après, si effectivement c'est un homme qui est assez smart et qui sait jouer des défaillances psychologiques chez l'humain pour séduire, ça évidemment, j'en parle en privé, j'en parle lors de mes coachings privés et aussi lors de ma masterclass dédiée à Ruby. S'il arrive en fait à comprendre ses défaillances psychologiques et mentales et qu'il arrive à combler ses carences, alors à ce moment-là, on peut dire ok, il est au moins un minimum smart. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est un homme qui n'apporte, enfin, il n'apporte clairement rien dans la vie de Corey et je ne comprends pas la raison d'être de ce couple. Donc, pour résumer très rapidement la situation, on a une femme qui a souffert en fait de troubles mentaux par rapport au colorisme, par rapport à son surpoids, par rapport à sa maladie. Donc, c'est une femme qui manque énormément de confiance et d'estime en elle-même. Donc, forcément, quand les blessures émotionnelles ne sont pas soignées, on se dirige vers les mauvaises personnes et on est évidemment sujette à tomber dans les griffes des escrocs. La situation, elle est aussi simple que cela. Alors, quelles sont les leçons à retenir de toute cette histoire? Tout d'abord, il est primordial de prendre soin de sa santé mentale. Alors, je sais que c'est un sujet tabou, notamment dans les communautés afro-américaines, africaines et aussi antillaises. On a souvent cette tendance, en fait, à créer l'amalgame entre le psychologue et la folie. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas parce que vous allez consulter que vous êtes en fait, comment dirais-je, instable sur le plan émotionnel ou dérangé. Non, au contraire, vous prenez justement la peine de prendre soin de votre santé. C'est important d'aller consulter, surtout lorsque vous avez vécu des chocs émotionnels.
Ensuite, il y a également les problèmes liés à l'estime et la confiance de soi. Et ces carences dans ces deux domaines-là sont en général prennent en général en fait leur origine par rapport à l'enfance, par rapport aux chocs émotionnels que l'on a pu subir, par rapport aux humiliations également ou aux rejets que l'on a pu subir par rapport à la société ou tout simplement au schéma familial dans lequel on a grandi. Donc prenez le temps encore une fois de faire votre propre introspection. N'hésitez pas en fait à vous poser vraiment vous seul par rapport à votre vie. Prenez le temps tout simplement de tirer les leçons de votre passé, regardez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et avancez avec ça. Mais c'est important en fait en tant que femme de soigner ses carences dans le domaine de l'estime de soi et de la confiance en soi. Si vous ne faites pas ce travail, je peux vous assurer que vos choix amoureux seront impactés négativement par rapport à cela. Vous allez en fait soit attirer des personnes qui sont instables sur le plan émotionnel tout comme vous, ou tout simplement des escrocs qui seront là pour vous dérober en fait votre capital économique si vous en avez. Et malheureusement, les femmes noires sont souvent les cibles de ce genre de personnes. Donc c'est important de se protéger mentalement et aussi juridiquement. Donc si vous n'avez pas trop confiance en votre partenaire, faites un contrat de mariage avec des clauses en fait. Allez voir un avocat, allez voir, j'en sais rien, consultez des gens pour ça, mais vous devez, comme je dis toujours, déjà envisager la fin de la relation, la fin de l'histoire avant même qu'elle puisse commencer. Et pour se protéger, tout simplement, eh bien, on met en place des éléments juridiques, des éléments, j'en sais rien, mentalement. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais ce serait trop long en fait à détailler dans cette vidéo. Mais vous devez vous protéger, c'est important. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, liker, commenter et également à partager. On se dit à très bientôt.